aussi aujourd'hui, c'est que les femmes, j'ai l'impression qu'elles sont pas, elles ont un peu plus de conscience quand elles trompent. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les hommes qui vont tromper. Et ça, je l'ai découvert dans une vidéo du coach Amon Chic. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est sur les réseaux sociaux. Okay. Où une femme, elle a fait un sort de sketch là, où les gens appellent pour poser des questions. On va regarder la vidéo de cette dame qui a envie de tromper son mari et elle appelle pour demander à peu près la permission. Quoi. Okay. je vous explique, coach. En fait, je suis mariée. Oui. Oui, mais je suis amoureux d'un autre homme marié. Mais je voulais savoir si c'est possible. Quand tu allais à la mairie pour te marier, là, ils ont dit quoi? Le maire, il t'a dit quoi? Tu as juré quoi? Fidélité et puis quoi? Hein? Quand ça va pas dans le couple, c'est côté Mougouli, coach, ça va pas. Côté Mougouli, ça va pas? Non, ça va pas, coach. Mais ça va pas à partir de quel moment? Il n'y a pas les préliminaires, il n'y a rien du tout. Il vient comme ça, pas de câlin. Ma chérie, avant de vous marier là, il était compétent? Avant de nous marier, on n'avait pas essayé. Ah, c'est ça. Vous partez acheter des trucs, vous n'essayez pas avant. C'est ça les retombées. Quand on dit dans fait de oui. Abstinence là, on ne se touche pas jusqu'au mariage. Mais quand tu finis de marier maintenant le gars, tu vois que c'est qui net, ou bien tu vois que les wano sont, hein, j'ai déposé les clés. Elle est trop drôle. Franchement, moi je l'aime bien parce qu'elle est trop drôle et c'est ce qui fait sa particularité. Ouais. Je lui fais un gros coucou au passage. Donc,